Vous êtes en cours depuis longtemps? Non, mais... Quand j'ai le temps? 28. OK, cool. Oh, cool. Ça, là, ça a subi un divorce, madame. Ouais, regarde, 28. Oui. Je serais pas tough jusqu'à 28 avec ce style-là, même. Je rentrais dans un con, il me crie après, le tabarnak, est-ce que tu veux savoir un gars comme toi, il vient se faire des accidents? Es-tu divorcé? Séparé. Le divorce, c'est dans les prochains mois. Non, ça fait comme 8 ans. Ça fait comme 8 ans? Ah, mais c'est juste une séparation. Vous n'étiez pas mariés. Ah, ben vous laissez ça quand même dans le néant. Ouais. Hey, pourquoi finaliser quelque chose qui est déjà fini? Il est où ce style-là? Il est à quelque part, hein? Oh, on s'en calisse, hein? Il habite à deux quadrilles d'ici? Non, de chez nous. De chez vous, ok. Ah, vous avez des enfants ensemble. Ça, c'est une bonne pension alimentaire ou pas? Hein? Il n'a pas, ok, parce que vous étiez quand même even dans les salades? Ah, mais là, qu'est-ce que c'est qu'elle est bon, le style? Qu'est-ce que c'est bon, ce tabarnak? C'est pas une vraie job si tu veux te faire fouiller, mon gars. Je comprends, je tombe en moi avec. Et sinon, on fait du cash tel qu'il est, mon ami. Je vais pas manger le cul, bonne pauvre. Je sais pas, bon, les filles, mais seulement, il faut mettre ses limites, hein? Tu sais, si, c'était le jour de la femme, là, il y a pas longtemps, là, Chris. Let's go, hein? T'es-tu séparé, toi aussi? Ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est rare. Deux séparés qui sont. Est-ce que vous êtes en couple ou vous êtes encore séparés? Oh, wow. Est-ce que vous fourrez, mon petit chum? Oh non, c'est un rire qui me dit. Il m'a excité. Non, c'est John, c'est vrai. Mais, ok, mais toi, c'était séparé. Oui. Puis là, toi, t'avais combien de temps t'es séparé? Ça va faire 5 ans. T'avais-tu des enfants aussi? Oui, un petit fait. Fait que là, tu te gardes partagé. Plus moi. Plus, enfin, une pension alimentaire. Good job! Ça va être ça aussi. C'est quoi son nom, on va l'appeler? Live on stage, on l'appelle avec un gros, comme 2 000 $ de plus par semaine. Twist, si tu vas élever ton enfant, mange un kibo, si. Mange mal, mais t'es tout le temps défoncé. C'est ça. Vous êtes des amis de longue date? Non, ça fait un an. Ça fait un an. Ah, vous êtes rencontrés comment? Oh, vous avez la ramasse. J'aime tout ça. Tout le monde en ce moment, tout le monde est sous tension. Il y a deux religieuses en arrière qui sont en tabarnak. Fait le prêtre à gauche qui cherche les enfants. C'est pas que t'as pour voir. Salut, vous deux. C'est une belle soirée. Mais pas bon spectacle, lui, c'est vous. Vivez ce que vous êtes à la vie. Je savais pas comment finir ça. T'es vous deux? Regardez comment ils ont l'air heureux. Ça vous tente pas de vous séparer et faire d'autres projets? Juste, qu'est-ce que c'est, genre, vous deux, c'est ça la fin, votre enfant, regardez ça, c'est pas vrai. Vous pourriez avoir accès à ce bonheur-là, là. Vous autres aussi, câlisses! Moi, je compte ça, l'amour. Des câlisses, vivez des enfants dans la main. C'est quand même pour ça là, pas mes accidents de chat tout le temps, je reste. Ben, tout d'un, ben. T'appelles ça de l'investissement? T'es le pire économiste au monde. Tout d'un, mec, ça, il a acquis ce bonheur. Oh, les, là, l'économie de couple, là, tu sais, vous autres une bouteille de 20 ans, tu sais. Ah, oh, ben, pour vrai, là, regarde, je vois vite, là, tu sais, c'est vraiment éphémère, là, une discussion, là, c'est 4 minutes max, là, tu sais, c'est pas beaucoup 4 minutes. Non. 4 minutes, c'est le temps d'une relation sexuelle normale. Si tu peux faire ça en deux, tu gagnes 2 minutes, c'est quand même. Non, vous habitez où? Longueuil. Longueuil, très beau Longueuil. Le beau Longueuil ou le pas beau Longueuil? Le beau Longueuil, ok, cool. On ne sait pas il est où, mais il existe, là, hein? Parce qu'il y a des gens de Longueuil qui nous disent qu'il y a du beau Longueuil, mais nous autres, on se promène à Longueuil, on est comme Christ, il parle de où, on le trouve.
Félicitations, vous pouvez voir la ville avec les yeux du cœur, hein? Comme l'amour, c'est wow, 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 puis Chris, on est au qui pète nos chambres tout le temps, t'sais. Vous avez rencontré comment, deux? Ça fait longtemps. C'est longtemps, ça c'est bien ça. Jeune, vous êtes encore jeune. Ben ouais. Vous êtes encore dans le fraîcheur de l'âme, quoi. C'est deux belles petites roses qui viennent juste. À l'école du secondaire? Ouais. Oh shit! Ok, c'est sûr que là, ça fait longtemps. Là, c'est pas que vous êtes vieux, mais Chris, il y a du âge quand même un peu. Là, 20 ans, fait que là, vous avez au moins 47 ans. 46? 35? Là, je pensais que. Ah, t'as le nom de trois chiens. C'est parce que je suis pas bon en mathématiques. Parce qu'elle, elle me dit 20 ans, puis moi, j'ai dit 45, puis ben, oh, c'est comme t'avais fini le secondaire en 25 ans. C'est pas chien, je suis pas en mathématiques en tabarnak. Pas pour rien, je fais ce job-là, moi, là. Calice, hey, c'est un difficile calcul, ça, là, là. Hein? On t'est marié, mon enfant. Mais regarde, je suis pas humilié, mais il y a un peu. Est-ce que vous êtes comme... Hein? Ça monte. Ça monte, mais regarde. Ouais. J'ai le dos raide, tu sais, comme on dit dans le milieu des gens humiliés. Et... est-ce que vous étiez le premier amour l'un de l'autre, puis après ça, vous avez fait, regarde, c'est final bâton, puis that's it. Ouais. Ouais, ça c'est cool ça, tu sais. Puis rien vivre d'autre, c'est pour vrai, parce que. Regardez les deux en arrière qui vivent des expériences. Ils ont l'air d'avoir du fun, mais ça là, c'est trop borderline à côté. Ça c'est suivi par des psychologues qui sont eux-mêmes suivis. Faites attention, s'il vous plaît.